Bonsoir, on est ensemble pour un petit live aujourd'hui. Je pense que je vais pas faire long. On va jouer un petit peu Mouse Ape. Je pensais pas stream, et puis voilà, j'ai de bonne humeur. Et j'ai le temps, donc vas-y. On va se lancer un petit live et on va jouer ça. J'ai rien préparé de spécial. C'est vrai que j'aurais pu terminer de monter Master Ball sur l'autre compte. Ouais, c'est vrai qu'à tout moment, on fait ça. Oui, c'est pas impossible. J'avoue que j'avais pas pensé. J'ai juste lancé comme ça, spontanément. On va se jouer un petit peu avec. Enfin, on va se faire un plaisir un petit peu avec. Avec le singe et avec Mur Lumière. Le Mur Lumière, là, regardez-moi ça, là. Mais il va faire quoi contre Mur Lumière, lui? Il va rien faire du tout. Si, il va prendre Chiyu quand même. Il va prendre Chiyu. Mais Chiyu, il peut pas toucher Flutter sans me donner une stack complètement gratos. Et ça me met très, très, très bien. Bon, après, il a quand même des punitions à Terra. Oh, le frérito en face, là. Donc, s'il a envie d'être chiant, il sera chiant. Flutter est pas mauvais contre ça. Mon problème, c'est contre Riaboom, en fait. Mon problème, c'est contre Riaboom. En fait, ouais, tous les pokés que je peux prendre derrière, ils auront tous leurs problèmes. Hein. Ça, c'est sûr à 100%. Ok, Entei, il meurt pas, mais il fait rien à... Il fait rien à Raging Bolt. Et non, avec Stomping, il fait pas quelque chose à Raging Bolt. Et il fait rien non plus contre Serpente-O. Donc ça, c'est pas fou. Je pense que... Je jure que RM s'en sort très très bien. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire Rage Fist. Je pense qu'on prend Flutter RM. Hein. On va avoir des Poké costauds pour avoir l'un des deux à disposition dès qu'on a un KO sur Whimsicott. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je cherche la meilleure équipe autour de Dracolosse. Bah, la meilleure équipe, ça va jamais dire grand-chose. Après, la team de Alexandre, il est pas mal. Moi, je trouve ça très bien. Après, moi, j'aime pas jouer Chien Pao moi-même. Oui, je sais, je les joue au Worlds, mais j'aime pas jouer Chien Pao moi-même. C'est ce qui me dérange avec ces équipes-là, c'est que souvent, bah, la pierre angulaire, c'est Chien Pao. Ça me fait un petit peu chier, ça. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Très, très, très personnel. Ok, Serpente-O, Boreas. Donc, j'imagine qu'il a envie de poser le soleil. Ça me dérange pas. Oui, il a des punitions à Terra Water, mais en vrai, vu qu'on les accepte. Puis je vais pas Terra autre chose en fait. Quoique s'il pose Tailwind avec son turn, en vrai, c'est la merde. En vrai, dans ce cas-là, c'est la merde. Je vais faire une gonflette, comme ça, je peux récupérer pas mal de HP sur Vampipoint. Ça peut être nécessaire. S'il s'amuse à me faire une Draco Météor là sur mon Anihilape, on va tanker, on va récupérer avec la Citrus. En vrai, ce serait une bonne chose. Ça voudrait dire que Wim, il est tranquille. Parce que là, je sais pas s'il fait d'abord Zenith ou d'abord avant arrière. Je sais pas trop. Je pense partager la team d'ici peu. Non, cette team-là, je vais pas la partager. Ah, je la garde pour moi. Ok, il pose son Tailwind, d'accord. Et on prend Lance-Flamme, mais avec le mur lumière, je pense qu'on tient sans problème. Effectivement, est-ce qu'il y a une Life Orb? Oui, alors qu'il y a une Life Orb. D'accord, ok. Nice, nice, nice. Very nice. On n'a pas pris une stack, donc Rage Fist aurait été super nul. Et on va simplement faire Tailwind et Drain Punch sur le Serpente-O. S'il fait Provoke, ça veut dire qu'il fait pas Zenith, en tout cas pas tout de suite. Et ça veut dire que je peux jouer la game sans jamais avoir fait vent arrière et ça peut me coûter très très cher. Hein. Je dis pas que c'est pas bien qu'une team se base autour de Shabba, je dis juste qu'en tout cas pour moi personnellement, ça me dérange un peu. Il en met du temps, hein, dis donc. Son tour est pas censé être compliqué. Alors qu'il pense peut-être à Mur Lumière. Il sait peut-être pas trop comment ça va se passer pour lui. Bon, il doit pas avoir provoque, parce que pour moi, s'il a provoque, il doit absolument le faire ce tour-ci. Non, ça c'est une grosse erreur. Il a voulu faire un calque, mais quelle erreur. Avec Mur Lumière, frérot. Bah, merci. Hein. Du coup, j'ai une stack. Je récupère avec ma Citrus et avec Vampipoint. On a vent arrière tous les deux, alors que moi je l'ai posé après lui. Ok. Je suis incroyablement gagnant dans l'échange. Hein. Merci, Moumou, pour le 25e mois. Merci beaucoup. Et hop, on a bien remonté là. Il y a encore deux tours.
T'as moins 2. On va doubler ici, hein. C'est ça, ou alors il se barrait. Il voulait pas prendre de dégâts sur quelque chose qui rentre. Il aurait pu envoyer Flutter sur un Drain Punch. Du coup, on est hyper gagnant à... Oh, puis on a le drop en attaque spéciale. Oh, c'est bon, ça. Ok, il rate personne sur Bleakwind. Bon, je vais pas prendre un drop, hein. Ok. J'aurais été prêt à échanger beaucoup de choses pour ne pas prendre de drop en vitesse sur... Sur Bleakwind. Bon, il a pas fait provoke, donc je sais pas s'il a abri ou pas, mais en tout cas, là, je sais qu'il reposera pas devant arrière. Et on va envoyer Flutter maintenant, parce qu'avec des Zinglim, bon, on tue le serpent haut, il peut rien y faire. Par contre, attends, ça serait bien que j'y pense, il aurait pu envoyer Gorithmic là. Pas terrible ce que je viens de faire. Pas terrible, terrible. Et je pense que Roaring Moon, faut l'envoyer en dernier. Boost d'attaque spéciale sur le Raging Bolt, d'accord. Est-ce que Thunderclap, ça tue mon... Annihilate, je ne sais pas, honnêtement. Lui, c'est son dernier tour de Tailwind. Si jamais mon Annihilate doit mourir, c'est maintenant qu'il doit mourir. Ça m'arrange qu'il meure maintenant plutôt qu'à n'importe quel autre moment. Parce qu'après, j'ai encore un tour devant arrière alors que son Serpent haut, il est à ma merci. Donc on va faire comme ça. On accepte... Thunderclap ? C'est Flutter, d'accord. Donc si mon... Ok, faut qu'il ait les lunettes choix. Hein. Boost en speed, d'accord, comme moi. Et Terra, donc ça veut dire qu'il tape. Fait pas protect. Donc déjà... Ouais, bon, ça va être Terra Elec et on va mourir du coup. Hein. Non, c'est Terra Water, d'accord. Bon, il perd la faiblesse fait dans tous les cas, ça, il n'y avait pas de doute. La question c'est, est-ce que son Thunderclap me tue? Parce qu'il a le boost en attaque spéciale, mais j'ai mur lumière. Ça reste une attaque à 70 de... Ah, il se croit plus rapide. Ah non. Bah non, jamais de la vie, frérot. Bah non. Pas possible, ça. Pas possible. Non. Mission. Mission instantanée. Non. Avec une team Dracolos, j'ai un peu, j'ai l'impression que ça fait peu de variations de gameplay. Parce que tu penses que tu lis trop avec? Parce que là, c'est toi le problème, c'est pas l'équipe. Avec Chapeau Dracolos, si tu lis toujours avec la même chose, c'est pas l'équipe le problème, honnêtement. Et il n'y a aucune solution. TFF, let's go. Bon, je vous avais bien dit que Mur Lumière, ce serait dramatique pour lui, la Dracométeur de son... Enfin, son Serpent haut, il avait toute la purée. Hein. Il avait le soleil plus proto... Enfin, il avait l'orbe vie plus protosynthèse qui augmentait son attaque spéciale. Et pourtant, sa Dracométéor, ben... On l'a tenu super bien et on a mangé la citrus. Plus on a récupéré sur Drain Punch dans le tour. Bah, derrière, il était à poil. Hein. Et il a pas osé... Alors, je sais pas s'il se croyait plus rapide avec son... Il refoudre, mais j'aimerais bien savoir combien de speed il joue pour penser qu'il était plus rapide que mon Kourou Singe. Hein. Il y a un sacré écart de bastat entre Kourou Singe et Raging Bolt. Hein. Je pense qu'il a, un petit peu rêvé. Ok, là, rien à voir. On a du Blood Moon. Et on a un peu plus de dégâts physiques, là, quand même. Avec Urshi Ogre Pawn. Alors, il ne le sait pas, mais il aimerait bien avoir, avoir Zenith, lui aussi. Il aimerait bien avoir un Boreas avec Zenith là-dedans. Même défensivement, hein, pour le Blood Moon contre Chifourse, c'est pas mal. Zenith défensivement, c'est bien contre certains trucs. Peu de raisons de ne pas prendre Float Mesh, franchement. Parfait du V. Il y a un Ogre Pawn à côté, par contre. Lui, il peut être très très chiant. Il peut être très relou. Ah, mais attends, c'est un Float Mesh Trick Room là-dedans. C'est ce genre de merde, non? Ce genre de merde. Alors pourquoi j'en suis certain là? Pourquoi j'en suis déjà convaincu? Oh, pas comme ça. Avec Fairy Giraffe, je peux pas faire charme sur Ogre Pawn, donc. Ce Ogre Pawn risque de me poser des problèmes. Ensuite, Flotte Mèche ou Famignol. Je pense que c'est Famignol. Je
pense, mais il y a moyen qu'on soit très très nul contre le Chifours, du coup. Ah, sans avoir les infos, le match-up là, il est abominable. Hein. En dehors de Victor Hero, tu sais où il y a des teams en règlement F à jouer avec des codes de, d'emprunt? Bah maintenant, il y a pas mal de joueurs qui partagent, qui font même des vidéos registres. Je sais que Talon a fait ça. Je vois passer ça de temps en temps en suivant les joueurs sur Twitter. Sur X, pardon. Tu trouveras ton bonheur, je pense. Ok. Lead avec son Angerpon. C'est que si on fait charme derrière, il fait par ici. Ça devient un bot à par ici, mais ça doit lui convenir. Hein. En fait, si on fait charme, mais qu'il fait Ivy Cudgel plus Hyper Voice. Non, il fera pas Hyper Voice avec Kroos, hein, j'avoue. Comment nous faire agir à ce point? Non, d'accord. Ah, VGC Paste, y a à boire et à manger. Hein. Franchement, c'est un peu. Un peu le zbeul. Attends, il va me sortir sacking max speed avec flutter booster énergie en vitesse. AC Wind là? Que ça ressemble à ça. Bon, après, je suis content, il a fait follow me alors que j'ai pas fait charme. Non, mais je suis bête, il avait peur de beat up, qu'est-ce que je raconte? Pardon, 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 ça me vient pas à l'esprit. J'aime bien les vraies règles, du coup. Ouais. What? Bon, sans mur en lumière, je me fais fumer. Hein. Terra normal, life orb, ça picote. Hein. Bah, il peut pas le faire au tour suivant. Il y a un pot qui couvre les deux. Comment ça qu'il couvre les deux? Je trouve qu'il couvre quoi en faisant Blood Moon? Ah, Charme et Light Screen, tu veux dire? Bah non, du coup, non. Je vais me conseiller équipe d'emprunt pour la compétition Institut Mertille. C'est pas les règles des compétitions, du coup, je me suis pas du tout intéressé au format. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, honnêtement. Deux stacks maintenant. C'est lui maintenant. Je pense pas que protéger son Blood Moon et taper avec son Ogre Pun, ça soit d'une rentabilité exceptionnelle. Par contre, se barrer et faire protect, ça peut être pas mal pour lui. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Ça me va, ça me va. On va récupérer assez, je crois. Bah attends, non, on va pas récupérer assez pour tenir Blood Moon là. J'ai pété un plomb. Bon, en tout cas, avec Drain Punch, on tue le Ogre Pawn. Sympathique, mais. Ah bah non, 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 je tiens pas, je suis bête moi, je tiens pas ça. Non, 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 j'aurais dû trouver un moyen de. Ouais, j'aurais dû faire Protect. Maintenant, faut que je finisse avec bah, pas Nihilape. Hein. Après, lui, il s'est abîmé tout seul déjà avec sa Life Orb. Il a mis 3 coups déjà. Bon, c'est pas si énorme. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas Flutter en fait. Donc là, c'est plus que la merde. Hein. La girafe. Il reste combien de tours de Light Screen? Il en reste 2. Hein. Tout à fait. J'ai pas encore terrain. C'est important. On peut pas laisser Farigir faire Trichrome, ça me fait automatiquement perdre. Ok, j'aurais été content qu'il fasse Protect avec son Blood Moon, mais bon, ça aurait été trop gentil de sa part.
Je suis con, il a forcément un item, j'allais l'exploser de toute manière. J'aurais dû faire Moonblast à gauche, là j'ai fait un très mauvais play. Ok, pas de crit sur Blood Moon. Sur RM, pardon. Bon, il y a des lunes partout. Hein. Entre les ours, les singes et les lunes, on sort. Le problème, c'est que Mossol sert pas à grand chose. Qui est le dernier? Force. Les meilleurs dégâts, c'est Terra Vola Combusty. Moi, Knock Off, ça fait le chaos sur Blood Moon, mais pas sûr à 100%. Est-ce qu'on tient Sucker Punch après? En fait, si on tient pas Sucker Punch de Shifur, ça... En fait, s'il peut faire Sucker Punch sur mon Blood Moon, ça veut dire que son maximum de dégâts, c'est les lunettes noires. Donc on va supposer que c'est ceinture force si vraiment il peut faire Sucker Punch. Si les Scarfs on s'en fout. Sauf s'il fait protect avec Blood Moon. Let's go. Very nice. Ok. En vrai, dans un monde où on tue pas non plus avec acrobatie. Oh putain, fallait faire knock-off. Parce que là, Blood Moon va tuer mon... Non, il y a les screens, j'ai oublié, il y a les screens, excusez-moi. Il y a les screens. Non, c'est bon, c'est parfait du coup. Il se suicide sur la life orb, et du coup, il est coincé. Let's go. My bad. Il doit faire... Enfin, peu importe sur qui il fait Sucker Punch, il doit faire un crit sur RM, et donc call que je vais pas faire follow me. Ok, c'est pas de call. Let's go. Merci Levex pour le 17ème mois, merci beaucoup. Et il est bien sage, putain. The news du streamer, créateur, joueur que tu veux accompagner de 0 jusqu'au Championnat d'Europe. Là, pour l'instant, j'ai un nom en tête, mais je pense qu'il faut que je fasse un tweet pour que ça arrive sous les yeux de ceux que ça peut intéresser. Je pense qu'il faut que j'en fasse un tweet. J'ai dit que je voulais être décidé à la fin du mois de janvier. Histoire d'avoir le temps de faire assez de sessions pour que ce soit sérieux. Le truc, c'est que j'ai plein d'autres trucs à m'occuper d'ici la fin du mois de janvier. Donc c'est pas évident. Ouais, faut que je fasse un tweet. C'est visuel. Nice. Est-ce qu'on retrouverait pas un petit peu le chemin des filles là? Bon, je dis ça, j'ai joué 2 games aujourd'hui, on va se calmer. Hein. J'ai pas donné ça en emprunt? C'est pas ma team d'emprunt ça? Ça ressemble bien à ma team d'emprunt ça. C'est exactement les 6. Ok. Ouais, ça doit être ma team d'emprunt. Le Gus, il est femelle. Je l'ai crit sur Baston, putain, je suis trop fort. Heureusement que je suis fort. Hein. Alors, du coup, on voit ça. Il a taunt le Fulguris, je sais même pas. Attendez, c'est... Je me rappelle plus, moi. Hein. Avec la pluie. C'est celle-là. Non, il n'y a pas de taunt. Il y a Air Impulse, T-Wave, Wild Bolt. D'accord. Ah, Wild Bolt. Oh, il est relou. Cache ton écran au cas où. Bon, j'ose espérer que s'il prend mes teams d'emprunt, il me stream snipe pas, mais bon. Ouais, je suis pas sûr de qui je prends en ligne. Hein. On devrait, hein. Je suis pas sûr, hein. Franchement. Hein. Le Gus me fait particulièrement chier dans cette team, je trouve. Parce que
Il y a Pelipper qui casse les couilles si jamais je fais Terra Plante sur ma Hausold. En vrai, il y a que ça. En vrai, il y a que ça. Mais il est sage. C'est pas comme si je pouvais faire Beat Up Redfish sur le Pelipper et m'en foutre. Bah non, parce qu'il a une sage. Ok, d'accord. Ça, je vois pas ne pas le faire. Et moi, je le pose autour d'après. Est-ce que Entei a de bien à part Sacred Fire? Il craint pas intimidation ni bluff. Il a un joli bulk. Bon, sur le spécial, pas ouf, mais on joue son à la veste dessus. Accès à aboiement, vitesse extrême. C'est Arcanin avec des petites différences qui sont à son avantage. Bon, je vous fais pas un dessin, Arcanin, c'est un bon poké. Hein. Ça. D'accord. Qu'est-ce que bruit? Il a peur Arcalion, quoi faire? Ah, il a peur de Drain Punch, d'accord. Oui, ok, ok, en faisant ça, il évite des soucis sur sur Drain Punch. Ouais, d'accord. Oui, il aurait pris cher sur le premier Drain Punch, c'est vrai. Oui, dans mes équipes d'emprunt, les Pokés sont en français, tout à fait. Je pense pas qu'il s'amuse à faire Electro Shot sur mon Annihilate ce tour-ci. Ça joue en open TV sur le ladder. Bah, après, il prendra en dalle. Ouais, moi, il y a mes infos qui sont affichées à tous les streams, hein. Ok, il est gentil, là, par contre. Je peux pas faire une erreur pareille, non, mais non, mais non! Tu peux pas me laisser faire beat up! Moi j'ai fait beat up pour pas que tu fasses ce sport, mais tu peux pas me laisser faire beat up. Pas possible. Attends, par contre j'ai que 3 stacks là? Oui, mais je suis à plus 1, donc Osef, oui. Comment ça j'ai 3 stacks? Comment ça? Ah non, oui, mais mort, pardon, il est mort, pardon, excuse-moi, il est vraiment mort, j'étais en mode. Y'a un problème, mais non, non, il est mort, y'a aucun souci. Bon, électrochot super efficace. A plus 1, comme d'habitude, enfin c'est toujours minimum à plus 1. What? Il a voulu call protect là? Ok, il doit penser. En vrai, lui il est vraiment pas sur le live, hein. Il doit penser que j'ai les lunettes filtre. Du coup, c'est un vrai ancien lui, hein. Là depuis longtemps, hein. Un tour de pluie. Deux. C'est gentil ça. Vous visez mon famignol là, c'est obligatoire. Ou alors tu fais un call et tu doubles sur mon Annihilate, mais faut être certain de faire le KO et je pense qu'il l'a pas. Oh, ok, un pixel. J'ai fait une belle spread, hein. De rien pour ça, hein. Et il a visé. Ok, il a visé Femignol avec Pondralugon. Mais... À sa place, je serais pas parti du principe qu'il allait survivre, hein.
problème, c'est qu'il peut pas avoir à la fois Paragruel en vie et la pluie. À partir du tour suivant. Je croyais que j'allais faire beat up pour finir le... Oh, il a qu'une stack hein, de Last Respect. Hein. En vrai, j'aurais pu prendre Last Respect, c'est pas un problème. Hein. J'aurais pu faire beat up à droite, en vrai. J'aurais pu tuer le Pondralugon avec beat up. Oh là, il va mourir du casque brut. Tu as calque 3 stacks plus 1. Non. Après, Pondralugon a un super bulk sur le physique. Hein. C'est pas choquant qu'il ait tenu ça. Hein. Moi, ça me choque pas de ouf. Hein. Quand j'ai fait Rage Fist, quand j'ai cliqué dessus, je me disais pas ah oui, je suis sûr, je vais tuer. Hein. Quand tu vois ce que tu fais habituellement sur un golet, bah sur un Pondralugon. C'est même un peu moins, hein, je pense. Laisse-moi regarder. Ah mais les rentas je les ai plus dans mon team builder. Arca lui donne. Ah oui, 90-130 frérot, on est sur des standards très 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 élevés là. Hein. Pas semblant hein. Alors du coup vous devez faire sabotage pour prendre l'info de l'objet. Ah du coup spoiler je le connais déjà. Hein. Oh my god! La focus H! On l'a vraiment mis à. On l'a vraiment mis à. Mince. À 1 HP? Ou à 1 pixel en fait, on sait pas à combien de HP il est. Faudra qu'il nous dise. J'espère qu'il regardera le replay. J'espère qu'il est sub aussi. Mais bon, ça, je ne triste pas. Nice, mais je pense que son Gus, il fallait qu'il vienne tout de suite. Elle est vraiment qui vient tout de suite. C'est quoi l'histoire de Suikun sur Twitter? C'est un chien que tu voulais pas manip? Non, je l'ai quadruple chasse avec mes 4 Gamecube. Alors, d'ailleurs, j'ai tenté une greffe d'organes entre deux Nintendo 64 pour mettre la lime fonctionnelle de ma N64 française sur ma N64 japonaise. J'ai pas réussi à dessouder le truc de la lime. Je pense que mon fer à souder bas de gamme n'atteint pas une température de fusion assez élevée. Pour le métal concerné. Et du coup, j'ai pas pu donner une seconde vie à ma N64 japonaise, l'une des nombreuses N64 que j'ai tuées. Donc je suis un petit peu déçu. Malheureusement, je n'ai pas pu faire. Enfin, j'ai pas pu passer par là parce que je voulais faire des échanges entre Crystal et Bleu. Et en gros, je voulais utiliser le glitch de Métamorph pour avoir un Métamorph Shiny dans Bleu. Et ensuite l'envoyer dans Crystal pour ensuite me dire bon, voilà, je peux faire des. Je profite encore d'avoir le quadruple setup pour faire des œufs quadruple chasse avec une chance sur 64 et 4 consoles. Bon, ça va plutôt vite d'avoir un Shiny. Bon, après, faire clore un œuf déjà sur Crystal, c'est aussi un délire. Mais bref. Et j'ai voulu faire un échange entre Bleu et Crystal. Le problème, c'est que le câble Link de la Game Boy SP ne permet pas de faire des échanges avec les jeux Game Boy. Tu peux pas connecter des jeux 1G, 2G avec le câble Link de la Game Boy Advance. Donc je suis très très déçu. Là je suis coincé, je suis complètement stuck. J'ai pas accès à une N64 japonaise, ni à des échanges, enfin bref, je suis complètement stuck. Et j'ai voulu passer par Poudlard pour extraire ma sauvegarde, sauf que en voulant extraire ma sauvegarde de bleu, elle s'est fait effacer. Donc j'ai vraiment le démon. Pour Crystal, pas de problème, mais pour Bleu, ma sauvegarde s'est fait effacer. J'ai complètement le démon. Bref, histoire de... Voilà, c'est l'histoire de ma vie. D'accord, du Pao Knight, d'accord. Avec un petit Regidrago, mais pas de speed control. Alors bon, j'imagine qu'il y a un flutter booster énergie en vitesse là-dedans, sinon ça me paraît un petit peu faible, cette histoire. Nice car. Merci Eligarog pour le sub, merci beaucoup. Il faudrait quoi comme matos alors? Pour des soudés? Oh, ça, j'en sais rien, je sais pas. Je suis absolument pas compétent dans le domaine pour savoir, donc... Tant pis. Je rachèterai une N64 au Japon. Encore, les mêmes erreurs, encore. Faire ça, hein, RM, il a des dégâts à faire là-dedans. Hein. J'ai trouvé un candidat pour le projet. J'en ai un en tête. Attends. Coach, un ancien bon joueur. Ah, pour Poké. Ok.
crois que t'allais dire un ancien bon joueur de poké, parce que du coup c'était pas le but justement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM sur Insta, il m'a dit ouais, j'étais vice-champion de France poké du coup. Ah, attends, au TCG ou au jeu vidéo, je sais plus. Merde, j'ai oublié. Non, je crois qu'il parlait du jeu vidéo. Genre en 2011, un truc comme ça. Puis il y a pas beaucoup de gens de cette époque-là qui jouent plus. Hein. C'est rarissime, hein, les joueurs de cette époque-là qui sont encore là. C'est rigolo. Night, ça te force pas à prendre la souris. Là, c'est Regidrago qui m'a fait peur. Et regarde, il a pris de la redirection plus Regidrago. Donc, comme quoi. Un lien, pourquoi donc Pardon, je vais peut-être oublier de quoi tu parlais. Un HP, la sage s'active quand même avec knock-off. Alors, oui, mais si ton move fait les dégâts qui font que le poké arrive à un HP. Même s'il a une sache, elle va pas s'afficher. Si le poké en face il a 150 HP, que le jeu t'en fait faire 149, alors la sache elle ne va pas s'afficher. La sache ne s'active que si elle fait survivre le Pokémon. Un style, d'accord. Je sais pas de quoi il a peur pour faire Terra style là. Ah, de Moonblast, d'accord. Il fait juste pas Follow Me, d'accord. Il fait pas Follow Me face à Wim, d'accord. Après, tant mieux parce que bon. Avec les vraies règles, ils sont pas censés faire Follow Me face à Win. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus sus. Ça, c'est beaucoup plus sus. Oula. Attends, c'est très très sus ton tour, là. Oula là 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 là. C'est très 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 sus ton tour, mon ref, hein. Il a pris beaucoup de temps au team preview et son tour 1 est extrêmement sus. Et là, il a 100% tort. Bizarre. Alors tu te dis pas que t'as une occasion de faire un grand Dragon Energy là ? C'est pas mal joué. Là. Enfin, je vois pas. Picote quand même. Hein. En fait, il aurait juste pu tuer mon Wim au tour d'avant. Enfin, je trouve qu'il avait plein d'options, je sais pas. Non, le tour d'avant m'a dit rien, mais. Et tu vas gagner ce combat. Pas peu de raison de pas taper avec Regidrago là. Ça le met dans une position de merde là. Merci Fluffy pour le 22ème mois, merci beaucoup. Ah, mais déjà, il tue Annihilate non, parce que. Il y a Mur Lumière. Du coup, mon Drain Punch, il sert à rien, là. Super énergie. Vitesse, ok. Avec une seule stack, je pouvais pas compter sur Regifist pour tuer Regidrago. Donc, j'étais obligé de faire Drain Punch, hein. Enfin, faut les respecter. On récupère rien et ça c'est Flopez. Allez, pas de blagounette. Ok. Touf touf, ce sera toi sur qui je taperai.
Voilà, de YouTube et Twitch, tu as une activité pro, parce que c'est pas un travail. C'est mon travail à temps plein. Depuis moult années. Moi que c'est juste encore de bois. Et sur marteau bois, ça risque d'être compliqué là. Ok, ça va, ça va, ça va. C'est pas un crit ? Attends. Ornich a plus 0. Sur mon Annihilate a plus 1. Ça me fait 104 de dégâts. Vous êtes sûr là ? Y'a pas un petit souci quelque part? Il y a plus 2, bah non, j'ai fait charme. J'ai pas fait charme. Il y a plus 0, j'ai fait charme, non? Ou alors j'ai complètement raté un épisode. J'ai fait charme. Ah, je suis pas fou. Mais dans quel monde il me tue, what the fuck? Attends, il a trouvé. Attends, mais en fait, même s'il est max attaque, j'y crois pas. C'est pour ça que je disais que j'espère vraiment que ce soit Ornich. Comment ça, mon ref? Enfin, j'avais pu gagner, hein. Mais c'est pas possible. Mais genre, je jure que le calque est impossible. En fait, quand même, il jouerait max attaque spéciale, max attaque, pardon, ce qui est très nul sur Ogre Pawn O. Quand bien même, il jouerait une spread de merde. Admettons, il joue une spread de merde. Bon, vu les playstats, je pense qu'il doit jouer des trucs de merde, ça va souvent ensemble. Hein. Ogre Pawn O sur Ornich. Terra Water, je suis à plus 1, il est à plus 0. Ornich. Non, pas Terra Fire, Terra Water. Attends, what the fuck? Bah non, c'est moi qui me trompe sur le calque. What the fuck? C'est moi qui me trompe de ouf sur le calque, en fait. Putain. What the fuck? Mais comment on prend autant sur Ornich? Top bar? Non, c'est moi qui me trompe sur le calque. Ok. Bah, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse mourir là-dessus. Hein. Ok. Bah là, dans mon équipe, Farfa Duvet, il a pas la ceinture force. Le but avec Overclock, c'est de survivre à un coup et demi, on va dire. Donc tu veux du bulk. Enfin, en fait, ça se voit à mes HP qu'il y a du bulk. Hein. C'est pas, je vous leak rien à vous dire qu'il y a du bulk sur mon Farfa Duvet, ça se voit à ses HP. Pas gagner de toute façon. Il aime bien faire des plays qui peuvent le laisser perdre encore. Frère, doit doubler sur mon flutter tous les jours de la semaine. Ah bah non, il joue Ice Shard. Ce champion joue Ice Shard. Grande Rougador. D'accord. Ça doit être ça, hein. Attends, mais il va réussir à perdre, non? Comment il perd, hein? Plouf, plouf.
Ok, nickel. Allez, pas de blagounette. On fait les mêmes dégâts. Ok, d'accord. Ah, ça tu passes, hein. Pas du tout. Dans tous les cas, même si je le sabote, Dark Pulse me tue. Hein. Ça bouge pas. Je peux pas, avec mon flutter, je peux pas gagner contre les deux restants là. C'est impossible. Mais il perdait directement si je faisais Protect avec RM. Est-ce que je devais pas tenter ça en espérant une erreur de sa part? C'est bien possible. C'est bien possible. Ok, là il peut perdre s'il fait une erreur encore. Je dois espérer ça. S'il fait une erreur, ça devrait être ça. Ah, il fait protect avec personne, dommage. S'il s'est abri avec quelqu'un, je l'imaginais le faire avec Ogre Pawn. Dommage, dommage. Que si je tape l'Ogre Pawn, au final il me faut un crit. Donc autant miser sur l'erreur dans l'autre sens. Ah bah my bad, j'aurais jamais imaginé prendre autant sur. Bah en fait, non, parce que tu peux tuer direct avec Massulian, donc non. C'est pas bon. T'as pas tenté le tournoi VR? Si, mais vas-y, j'ai des trucs à faire. Hein. Puis je joue pas trop en ce moment, donc bon. Pas chaud. Merci Madara Uchiwa 73 pour le troisième. Ouais, merci beaucoup. Oh bordel, mais attendez, vu ce qu'il avait. Attendez, vu ce qu'il avait pris, on le tuait, non? Il avait juste pris un Rage Fist avec 0 stack, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Bon, c'est ça ma première défaite aujourd'hui. Après, je me trompe sur un calque. Et son tour est suspect de ouf. Son premier tour est suspect de ouf, en vrai. Il claque Swords Dance face à... Non, j'arrive pas à y croire. Il claque vraiment Swords Dance face à Wim Annihilate. Non, 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 c'est pas possible. Je vais pas y croire. Je peux légit pas y croire. Je peux légit pas y croire. Il fait Swords... Ah bah il aurait juste pas follow me. Il l'a fait follow me ou pas? Non, il l'a juste pas fait. Je comprends pas. S'il a Sorzen, c'est peut-être qu'il a juste pas follow me. Donc ça justifie qu'il l'ait pas fait. Tu peux pas taper Annihilate sans tête boostée de ton côté. Ah peut-être pas, peut-être pas. Allez, go next. Powentei. Lando I. Face à Lando, on a envie de prendre Wim. De toute façon, il y a Ogre Pawn, donc on n'est pas censé pouvoir faire beat up tranquillement. Enfin, c'était pas à l'ordre du jour, en toute manière. Qui punit Terra Water? Ogre Pawn, mais pas forcément. Il va pas forcément y arriver à punir. RM, il a des bons dégâts sur beaucoup de choses, notamment Ogre Pawn. Ogre Pawn et Lando. Déjà pas mal. Sur Entei aussi. Contre Entei, il est très bien. Ah bon. Entei, t'es... T'as beaucoup de Pokémon qui sont forts contre Entei 45% du temps. Hein. Ou 55% du temps, plutôt. Est-ce que c'est Flutter ou est-ce que c'est Famignol derrière? En fait, Annihilate est capable de faire toute la game parce que... Je suppose qu'on va pouvoir poser Tailwind et Light Screen, là. Flutter, il fait face à quelques problèmes. Non, vas-y, nos stacks, on les aura. Les stacks, on les aura avec des coups de l'adversaire. On les aura comme ça. On va pas prendre Famignol, on va prendre Flutter. Merci The Pongiste pour l'année de sub, merci beaucoup. Ok, d'accord. Il a choisi la formule offensive. Vous l'avez? Vous l'avez la team? Ah, j'espère, j'espère. J'espère que je suis entouré de personnes très culturées. Bah du coup, Light Screen, là, ça me fait pas rêver de ouf. Tailwind, Water. Tailwind, Water. Il va vraiment cesser de prendre Drain Punch, le frérot? Non, j'y crois pas. Hein. Je suis sur Flutter.
Non, non, j'y crois pas. Il va pas se laisser prendre Drain Punch gentiment. Ok. Et ça veut dire qu'il tape du coup. Et ça veut dire qu'il a pas de dégâts en plus sur son flutter alors que je n'ai pas fait l'ice screen. C'est bon tout ça. Non, ça. C'est bien. Alors, fait amusant, le chien Pao maintenant est sensible à charme. Après, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je suis moyen convaincu. Je pense que il va tout mettre sur mon Wim. Pas que je fasse beat up. Ah! Il suffit d'avoir chien Pao à côté pour tuer Flutter. Ok, parce qu'il avait s'il avait un peu plus de bulk, il aurait pu tenir. Hein. Je partais absolument pas du principe que j'allais tuer ce Flutter. Mais merci au chien Pao à côté, hein, ça régale. Hein. Bon, bah, light screen, c'est surfait. Hein. Et du coup j'ai 0 stack. Donc si j'envoie Flutter, ben j'ai un peu l'air d'un con face à Lando. Que Dazzling Gleam Rage Fist, ça va pas le tuer. Ça fait pas trop plaisir. Et du coup il y a un call, est-ce que le chien Pao se protège ou pas? Bah j'en sais rien. Donc je pense qu'on va plutôt envoyer RM dans un premier temps. Je trouve que ça gère mieux l'arrivée de Ogre Pawn en plus. Tiens. Qui voit l'âge? Ok. Peut-être quelqu'un là. Ok, dommage. Acrobatie sur mauvais. Mais. Ogre Pawn, il a rien à proposer à RM. Et en étant à plus 1 en défense, du coup, je vais prendre Ornitch. Mais il y a chien Pao à côté cette fois-ci. Donc, ça va faire mal. Mais bon, on a la citrouille, c'est fine. Ça, c'est ce qu'on prend avec chien Pao à côté. Du coup, je suis d'autant plus choc barre par le Ornitch de tout à l'heure. D'accord. Est-ce que sans chien Pao, on rate le chaos sur le Ogre Pawn? Arcaludon, oh, je m'en fous un peu, je pense qu'il y a un boost là. Ouais, puis en plus. Ah, j'allais dire, il perd son temps. Non, parce que maintenant, Pao peut rentrer sur... Enfin, on peut pas faire Drain Punch à cause de Pao qui peut rentrer. Ah oui, non, mais ça va, ça fait des bons dégâts quand même. Hein. Mon dernier tour de Tailwind. Est-ce qu'il ose rentrer Pao à la place de son Arcaludon qui a pris un boost en défense? Non, il ose pas, évidemment. Mais il y a un monde où c'est pas la veste sur l'Arcaludon. Et ce monde-là, j'ai pas envie d'y vivre. Ok, ça va. Bien sûr qu'on a le KO, bien sûr. Je sais pas si la présence de chien Pao est nécessaire, je pense pas quand même. Hein. Je ne pense pas. En tout cas, on est largement tranquille sur un... Un coup bas ou même admettons une mâchouille. Et maintenant, s'il veut aller chercher mon RM, alors il doit accepter de perdre son chien Pao. C'est pour ça que c'est important de prendre sa sache plutôt. Et s'il protège son chien Pao, ça veut dire qu'il prend acrobatie sur son Ogre Pawn. Ça fait pas trop envie. Il peut pas tout faire là. D'accord, mais tu prends Rage Fist. Tu prends Rage Fist du coup et ton Ogre Pawn se retrouve tout seul. Sauf si tu me crites évidemment, et là évidemment. Le prank! Ah bah c'est pas un crit, c'est pas un crit. Bon, du coup, Kourou Singe. Il est bien nourri.
Il a deux stacks et un boost. Donc il tape à 225 de puissance. Et le Ogre Pawn, il prendra forcément un Moonblast avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et il va mourir au tour d'après sur soit soit il meurt ce tour-ci sur Rage Fist, soit il meurt au tour d'après sur Moonblast. Il n'a pas assez à récupérer sur Ornish maintenant. Ornish sur Flutter, ça veut dire qu'il se fait exploser par par Annihilape. S'il fait Spiky Shield pour me faire perdre des HP sur Annihilape, c'est contre-productif pour lui. Parce que ça veut dire qu'il a moins de HP à voler. Non mais voilà, ça fait largement assez. Parce que c'est assez clair comme ça. Non, 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 tu meurs de Moonblast. Là, son espoir, c'était quoi? C'était que il y ait une sache sur mon flotteur et que je manque de dégâts. Peut-être un monde où je manquais de dégâts là avec le vol de Ornich. Impossible. Mais il fallait juste que je tape avec les deux et là, il n'y avait pas de prank. Et on termine. Ok, ça va, ça va, ça va. On s'en sort, on s'en sort. En colère qu'elle attaque de fou. Ah bah ouais, mais c'est pas le même jeu, hein. C'est un gameplay particulier, hein. Faut avoir le compas dans l'œil, faut... Enfin, il y a plein de tours où... Vas-y, t'as pas le droit de te tromper, c'est... C'est éprouvant, hein. Bon, tu me diras, il y a plein de trucs à jouer qui sont éprouvants, hein, parce qu'il y a forcément des tours qui sont décisifs, plus ou moins tôt dans la game, selon ce que tu joues. Nice, nice, nice. Mécanique est sympa, ouais, mais moi je pense qu'elle est pas volontaire. Hein. Enfin, pour l'histoire des Switch et du chaos. Je pense que c'est le même délire de bug que Order Up. Hein. Zekrom VGC, putain, t'as pas choisi le meilleur restreint pour ton pseudo, mon ref. Hein. Par contre, tu joues une bonne team. J'avoue que j'ai même pas réfléchi à ce match-up. J'ai même pas réfléchi à ce match-up. On va faire ça. Je sais pas trop exactement comment je dois m'y prendre. Est-ce que je dois prendre Wim ou RM? Je pense que les trois premiers, c'est trop logique. C'est trop évident. Parce que Mausol, ça punit pas mal, je trouve, Dracolos, Chien Pao. Et s'il y a Ogre Pawn, il est obligé de faire Follow Me à cause de Beat Up. Probablement. Tu pourras tester la team que tu es en train d'affronter en vidéo. Ça, c'est marrant, vous êtes plusieurs à me le dire. Si elle est dispo en emprunt, alors pourquoi pas. Tes équipes pour le ladder sont encore viables après Portland? Oui. Oui, oui. Et vous allez pas commencer à avoir peur à cause des Américains, quand même. Enfin, je serais très déçu, quoi. Non, mais attendez. Les Américains. Préférence parmi le trio des chiens Paradox. Bon, je suis pas fan pour Entei. Pas trop content de ce qu'ils ont fait. Non, on aurait pu faire beat up gratte. Ah bah non, je suis con, il a fait Follow Me. Let's go, j'ai pas fait peur par Sacred Fire. Let's go. Let's go. Oh la dingue. Ok, je tente un truc de zinzin dans ce tour quand même. Hein. Pas de crit bien sûr, ça serait pas marrant. Let's go, ok. Pas besoin de faire beat up, hein. Il me donne des stacks lui-même. Hein. Let's go les stacks, let's go. Non. Oh. Putain. Non. Quel dommage, quel dommage. Non, vas-y. En vrai, j'allais dire c'est fair. Non, ce move est pas du tout fair. Vas-y, ça casse les couilles. Non, vraiment. Oh, j'aurais tellement kiffé un petit Spiky Shield là. Oh là là, mon dream.
Vas-y, son Entei plus rapide là, il pète les couilles. Entei, aucun défaut, casse les couilles avec son kit. Ridicule, ses dégâts sont ridicules. Regardez-le faire Sacred Fire sur mon RM au tour d'après, là. Chien, va. Putain. Ah, il va bien cliquer Sacred Fire comme un salaud, hein. Ne pas prendre Annie contre Entei, ça se tente. Ah ouais, bah ouais, je peux faire mes dégâts avec... Bah, avec rien. Non, je veux pas ne pas prendre Annie, frérot. Enfin, non. Normalement, en écrivant le message, tu dois comprendre que tu dis une bêtise. Je pense. Je te souhaite. Terrawater. Oh, acrobatie sur le Entei, ça aurait suffi, non? Impossible. Parce que du coup, en cas de follow me, c'est un peu flopesque. Entei, il est nouveau Insi du format? Non, c'est pas comparable. Insi, il n'y a pas de bullshit. Entei, il y a du bullshit sur le Poké. Ah, mais par contre, c'est vraiment son plan de jeu, hein. Je jure que son plan de jeu, c'est de brûler mon RM, là. Hein. Nice crit. Un crit, ça? Banal? What the fuck? Oui, il a vraiment visé mon RM. Vas-y, mais sale chien. Mais ça dégoûte. Une folie, ça, quand même. Hein. Putain. Allez, tant qu'on se bat burn RM, acceptable. On a compensé la brûlure avec deux gonflettes. Mais bon, Drain Punch c'est 75 de puissance, c'est pas la folie. Hein. Mais ça me sert à quoi de pas me faire burn sur la première si j'ai jamais pu faire des dégâts sans me faire brûler, sans déconner. Oh non, là c'est lourdingue. Hein. Oh non, là c'est lourdingue par contre. Là c'est vraiment lourdingue. Hein. Oh là 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 là. C'est hyper lourd. Hein. En vrai, c'est pas fini du tout. Hein. Mais vas-y, il peut envoyer Flutter gratos là. Ce qui n'était pas le cas s'il me brûlait pas. Bah voilà, bah ça c'est gratuit. Félicitations. Ça, ce play est gratuit pour toi. J'ai évité un Sacred Fire en vrai. Donc il m'a burn sur un Sacred Fire sur deux. Mathématiquement, c'est pas unfair. Mais il m'a toujours brûlé juste quand il fallait, quoi. C'est jamais arrivé trop tard. Même je lui, moi. Extreme Speed n'a pas d'intérêt, hein. Tu crois vraiment que tu vas pas tuer sur le... Ah, si je terra, ouais. Si je terra RM, ouais, ouais, ouais. Si je terra RM. Oh, je suis content d'avoir un crit. Mais je suis content d'avoir un crit. Je lui fais 5 fois sa barre de vie, mais c'est là que j'ai un crit. C'est toujours pareil. Ah non, sans déconner, hein. Ah, il m'a toujours burn juste quand il fallait, par contre. Non, non, mais j'ai un crit de Rage Fist, donc ça va, c'est faire. C'est équilibre. Non, sans dégue, vraiment.
Oh la lourdeur. Je jure. Hein. Et... Il y a encore des blagounettes là. Hein. Ça, j'ai eu raison. Oui, ça c'est évident, mais. Ok, là, le souci c'est le crit. Ok, c'est bon. Maintenant, mon problème c'est un double abri. Est-ce qu'il y a un monde où on tenait vitesse extrême ? Faut pas qu'il ait un double abri maintenant. Attendez, ça passe pas encore, ça passe pas encore. J'ai 67% de chance de gagner. Vous avez vu comment je vois le verre à moitié plein? J'ai dit 67 et pas 66. Ça joue à tellement peu de HP près en plus sur Annihilate. Je vais rien faire du tout, mais putain, ça me pète les couilles, sans déconner. C'est quoi ce braquage encore là? Non, mais sans déconner. Mais sans déconner. Non, mais c'est trop grave quoi, putain. Genre le jeu, t'as pas l'impression qu'il y a un joueur qui a été un million de fois meilleur que l'autre peut-être là? Non, mais sans déconner, mais c'est grave. Putain, son plan de jeu c'était de faire Flagrid Fire sur mon RM, frérot. Non mais c'est grave là, mais c'est grave. Sans déconner. Putain, les joueurs de CFA2 qui peuvent gagner en Champions League, ça me pète les couilles, hein, vraiment, ça me pète les couilles. Hein. Ah, sans deck, non, vraiment. Oh, sans déconner, putain. Non, c'est grave, son plan de jeu c'est de me burn sur Sacred Fire, putain. Et il l'a deux fois juste quand il faut. Putain, plus il a un double protect. Non, mais tu peux pas l'inventer, hein. Putain, tous les calls qu'il pouvait se faire, il a eu tort sur tous. Sur l'intégralité, hein. Oh la vache, regardez chaque tour. Hein. Regardez chaque action de chaque tour. Hein. Pourquoi tu quittes sans S, ça, S, A. Se trouve, il aurait esquive. Oui, d'accord. Mon flotte mèche aurait esquivé Ice Spinner. D'accord, oui, ça doit être ça, oui. Réveille-toi, réveille-toi, je t'en conjure, réveille-toi. L'ice cream n'est pas value de fou. Il peut empêcher de faire beat up. Je fais pas grand chose pendant ce temps-là. J'aime ça. C'est la même compo. Hein. Le problème, le Gargana. Bon, en vrai, le Gargana Call, ce sera pas un problème, non? Si je terra, en vrai, si, c'en est un parce que ça le cure, me fait des dégâts de zinzin si je terra water. Bon, je pense qu'on va prendre Famignol plutôt que Flutter là dans le matchup. C'est vrai que dans l'aventure, ton poké il peut éviter un coup parce qu'il t'aime bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Question, est-ce que le hasard a une place trop importante? Trop, c'est relatif. C'est hyper relatif. J'ai déjà vu ça quelque part. Doesn't know. Ok. Le truc chiant, c'est qu'on perd peut-être Wim.
Ouais, ça me fait pas plaisir de perdre Wim rapidement. Bon, lui, son plan de jeu, c'est pas de burn money. Il est déjà un peu plus respectable. Vas-y, je vais l'envoyer rapidement. J'aurais dû cliquer encore plus vite. Oh, comment t'es cringe, putain, mais t'es même... Mais... Oh la vache. J'en sais même pas, un peu drôle. Hein. Il y a de plus en plus de Entei. Oh, il a très vite trouvé sa valeur, notre format. Je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Non mais sans déconner, mais non mais là c'est grave là. Bah tous les Sacred Fire qui sont... Enfin toutes les burns qui peuvent être décisifs sur Sacred Fire, ça me burn, hein, vraiment. À chaque fois que c'est décisif, là ça me burn. Ok, d'accord. Ok. Pendant que sur les 150 000 dernières games, j'ai jamais eu un crit qui m'a fait gagner une game. Mais cool, bah oui, fair and swear, hein. Pas mal. Non mais frère, c'est grave là. C'est une folie, hein. C'est une folie. Hein. Et voilà, Sacred Fire qui ne sert à rien. Enfin, Burn qui sert à rien, évidemment, ça broque pas là. Hein. Non, mais c'est une folie quand même. Hein. Toi, Terrafeu sur Annihilate ? Bah non, parce que c'est un moins bon Terra type. C'est 100 fois moins bon. C'est que il n'y a plus aucun matchup chez Force. Non. Ogerpon, oh, maintenant il peut faire un move à fort taux de critique pour me taper une fois que j'ai Terra. Donc un move à 75 de puissance. Non, clairement pas. Non, il n'y a pas que le sommeil, mais j'avoue que je sais toujours pas exactement. Je ne saurais pas donner tous les détails. Je jure que je suis encore perdu là-dessus. Béprine viable ? Non, parce que la citrus est obligatoire. Tu peux pas ne pas jouer la citrus. Tu peux jouer les restes si tu joues un Grim, par exemple. Je pense que là, les restes justifient dans ce cas-là. Quoique ça veut dire que tu joues pas sur la redirect. Oh, je sais pas. Hein. Même dans ce cas-là, je suis pas convaincu. J'ai déjà vu des gens sur le ladder essayer de recopier tes teams. C'est depuis 2015 que des gens recopient mes teams sur le ladder. Ça date pas d'hier. Mais j'ai souvent joué des trucs particulier. Et les gens se disent non, je vais pas jouer ça. Mais frérito, réveille-toi là. Non, t'as totalement misé. T'as misé toute ta game sur je vais burn ton Annihilate. Par contre là, t'as peur de rater Sacred Fire. Ça n'a aucun sens de faire stomping là, frérot. Niveau de jeu, je te jure, c'est grave. Hein. Merde, j'ai oublié de regarder les pokés qu'il avait derrière. C'est quoi ça? Peter, évidemment, s'il rentre. Parce qu'il sait que je fais Drain Punch sur l'autre slot. En plus, là, j'aurais pu mettre un bon Rage Fist. Hein. Ah, ok, bon. C'est pour rien faire avec Ogerpon, c'est... Ok. Ça me va. Ah, mais c'est RM, mon poké derrière. Donc ça reste un problème cette histoire.
Parce que là, que Annihilabe gagne tout seul maintenant, ça devient très compliqué. Hein. On a burn, le Ogre Pond serait déjà mort. On aurait pu ne pas Terra Annihilate vu que c'est booster énergie en vitesse, donc on n'aurait pas eu la faiblesse électrique contre Irfoot derrière. Ah, c'est une folie, hein, c'est vraiment une folie, hein. Perdre contre des mecs qui misent sur un lancer de pièce qui est même pas à leur avantage, mais ça passe, putain, c'est vraiment une folie, hein. Double protect de Mossol, ça c'est très 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 bien. Pas une stack près là maintenant. Toujours pas mangé ma citrouille, je crois. Il me semble que j'ai fait un bon drain punch quand j'étais à 117 HP. Là, je la mange pas encore. Ok, alors il a pas Terra. J'espère que c'était Ragost parce que au moins on aura plus de dégâts sur Rage Fist. Tu as plus 4 donc j'ai pas mal d'avance. Terra Water, ça le cure est un gros problème. Non, attends, si je dis pas de bêtises, pour Baston, je crois que ça tient compte des problèmes de statut de tes Poké, mais pas du lanceur lui-même. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a que pour le lanceur lui-même où c'est pas un problème. Je me trompe peut-être. Ok, là c'est le... En vrai, c'est le pire scénario, non? En fait, à partir du moment où il tape avec Flutter, je dois taper dessus, je dois respecter. Le problème, c'est que là, bah maintenant, ça le cure, c'est juste un énorme drame, en fait. Je vois pas RM gagner tout seul, ça me paraît impensable. Je suis content de crit alors que j'ai 5 fois le KO. Putain, mais c'est toujours pareil, mais vraiment, j'exagère pas, hein. Observez à chaque fois, c'est toujours des Flutter qui prennent 5 fois leur barre. À chaque fois! Non, c'est trop grave! Enfin, ça change rien à la game, ça, mais frère, à un moment, je sais pas, enfin, genre, 80% des défaites, c'est des braquages, ce serait pas mal que, genre, de temps en temps, dans mes victoires, il y ait des trucs pas mérités, je vois, ça paraît logique. Hein. Puis il a une taille, il peut faire vitesse extrême, donc je suis mort. Hein. J'ai déjà tapé 4 fois sur beat-up après un mortal spin. Sur ton coup, là. On meurt pas de extreme speed, mais on meurt derrière, quoi. Ok. Imagine Cran arrive sur Kourou-Singe. Ah, est-ce que c'est vraiment mieux que Acharné? Je sais pas. Hein. Acharné, c'est déjà très bien. C'est difficile d'imaginer un autre truc pas mal. C'est vraiment leur plan de jeu. Mais je jure que c'est... ils ont pas mieux. Et ils l'ont à chaque fois, mais c'est une folie! Non, mais c'est une folie! Non, mais c'est grave, là! Ils l'ont à chaque fois! Sans exception! Non, mais c'est complètement fou! Non, c'est une folie! Ils l'ont à chaque fois! Dès que ça importe... Putain, mais c'est un truc de malade! C'est un truc de malade! Dès que ça importe, ils l'ont, instantanément. En claquant des doigts. Tu vas quand même... non, non, je ne vais pas gagner, hein. Tu rigoles, je ne vais pas gagner, ça. Je suis à plus 4. Je suis même pas full stack, hein. J'ai 3, j'ai quoi, 4 coups. Là, on tue pas Garganacle, hein. On le détruit pas du tout, je suis certain qu'on le tue pas, hein. Après, je pense que je dois tenter ma chance.
Mais en vrai, là, je dois ignorer le Entei ce tour-ci, en vrai. En vrai, je dois tenter ma chance. Ça fait absolument rien. Ça fait absolument rien. Non, je pense que sur Knock Off Drain Punch, il fait Protect. Et puis Protect et je mourrai de sale cure. Donc j'étais baisé dans tous les cas. Parce que monsieur m'a full burn. Non mais c'est une folie, c'est une folie hein. Moi par contre j'ai des crits sur des flutters alors que j'ai 2000 de puissance sur eux. D'accord, ok bah c'est cool hein. Non mais c'est une folie hein, je ne perds. Trouvez-moi une game ou je perds sur autre chose. Ça n'arrive pas. C'est une folie, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Je ne perds pas contre des mecs qui jouent mieux que moi. Ça n'arrive jamais, genre. Oh, c'est grave. C'est grave, hein, quand même. Hein. Tant Lucky, vaut mieux pas faire acrobatie. Bah pour le peu d'écart. En fait, je me suis dit. Dans un monde où il rate. Attends, il passe sus lui, ça me dit quelque chose. Oh putain, l'in-game name, ça, je crois que c'est un mec sus. Oh putain, il faut vraiment qu'on enchaîne comme ça là. Je sais pas, je me suis dit, vas-y, dans un monde où il fait de la merde, je lui retire les restes. Mais il faut aller vraiment qu'il tape ses propres pokés là, en l'occurrence. Donc ouais, autant faire acrobatie, ouais. Mais j'avais du mal à estimer les dégâts de Rage Fist. Mais j'étais certain de pas tuer, alors je pensais faire un peu plus que ça quand même. Je vais apporter des solutions à la team qui est très moins vulnérable à la burn. Non mais... La burn n'est pas un problème de la team. Le problème c'est que on tombe sur des mecs qui se disent « Hmm, 45% de chance de perdre ?» 45% de chance de gagner la game, je vais tenter ça. Plutôt que d'essayer d'outplay. Donc non, en fait, si je joue contre un joueur digne de ce nom en tournoi, n'importe quel mec avec un cerveau en tournoi ne mise pas là-dessus en fait. Mais bon. Comme dirait Booba, il n'existe que sur internet. Même s'il est un peu mal placé pour dire ça en ce moment, mais bref. Du coup, contre lui, on va faire quoi? Totalement ça. Ou alors lui, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr. Non, la team, le problème d'une team comme ça, c'est que effectivement, tu mises sur un poké. Des joueurs américains qui appellent ça le président. Comme ceux qui jouent King Gambit dans Slam. Un peu comme le roi aux échecs. Perds ton roi, tu perds probablement la game. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs, il n'y a pas que Annihilate qui tape dans la team. C'est quoi la carte à côté de la Honor Ball? Ah, c'est une énergie haut. Holo, qui a un effet holographique sympa. Je ne saurais pas te dire de quelle extension ça vient, honnêtement. D'avoir Entei et Entei dans la même équipe. Oh, tu les auras jamais tous les deux ensemble. On pourra pas. Et... Là, tu te dis, je perds Raging Bolt. Dans le tour. Ok, d'accord. Oui, je cache les camps pour le streamhack, effectivement. Le in-game name me dit quelque chose. C'est apparemment bon signe.
Non, c'est pour vous faire chier, c'est pour vous emmerder, pour que vous puissiez moins voir la game. Je suis mesquin. Ok, c'est pas ça, c'est Ignite. Pas trop, c'est quoi les match-ups dans lesquels Psychic Noise c'est vraiment mieux que Psycho? Parce que, à part Annihilate qui n'est pas du tout joué. Et encore, les Annihilate qui sont joués, c'est plus dans Art Trick Room que dans Mouse Ape. Frérot, vraiment, t'as vraiment fait Thunderclap là? Ah ouais, un grand play ça. Hein. Grand play. Hein. Enfin, plus 1, j'ai fait que ça, what the fuck? What the fuck, mais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce Fary Girafe là? Comment ça, je fais que ça? Ah, ici, si je veux pas. Il joue vite. Hein. Et mon pressing continuera. Maintenant, Terra Ferry, yes, no? I don't know. Ok, il a pas fait Terra Fairy. Ça veut dire que je pouvais faire HH Drain Punch pour tuer son Fairy Giraffe, il posait plus Trick Room. D'accord, bon. Mais, vu que Irfoudre meurt, et que j'ai encore Wim derrière, et que j'ai mon Famignol encore en vie, bon bah ouais, ça va. Hein. Je donne pas l'espace de ma team. Pas Trick Room, what the fuck? Et tu t'es dit Psycho là, ça me fait gagner là. Alors attends, est-ce que ça m'embête ça? Vu ce qu'il lui reste, ça devrait m'arranger ce drop de défense spéciale qui booste mon attaque. Osef. On a plus 1000 donc maintenant ça change pas grand chose. Alors j'ai un drop et je perds Friend Guard. Mais bon, ça devient neutre maintenant Psycho, etc. Et on va aller chercher le Sinistra. Le problème c'est Blood Moon. C'est Blood Moon en dernier, ce drop il le fait gagner. Bah, sauf s'il fait n'importe quoi, mais j'ai bien peur que ce drop ne soit un gros problème. Parce qu'en fait le boost en attaque ne sert à rien. J'ai déjà 100 fois les dégâts nécessaires pour tuer tout ce que j'ai besoin de tuer. Ok, donc t'aurais pu Terra Fairy ton Fary Giraffe plus tôt et faire Trick Room, mais tu l'as pas fait. D'accord, gros génie, va. Oh là 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 là, le niveau, je te jure, c'est trop grave. Hein. Mais qu'est-ce qui justifie de pas avoir fait Terra Fairy, en fait? Qu'est-ce qui justifie?
Je comprends pas, hein, je comprends pas. Et c'est Bloodmoon derrière. Ouais, 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 les petites blagues. Ah, si les spray gorge, c'était mieux de pas protect. Il a pas fait coup de main, donc j'imagine que c'est. Non, enfin, ça me donne un indice de plus pour penser que c'est spray gorge. Ok, fait Blood Moon, let's go. Let's go, bon toutou, let's go. Pas de crit et on est bon. Et tir familial, ça change rien. Bon, avec la screen, ça devrait aller, hein. Merci. Pourquoi t'as pas Terra Ferry plus tôt, frérot? Genre t'as call que j'allais faire Rage Fist alors que j'avais pas encore vu ton Terra, ta Terra. Enfin, et quitte à pas l'avoir fait avant, bah regarde ta Terra pour ton Ursa Luna parce que là, ah bah c'est con, tu manques de dégâts. Ballot. Hein. Singe supérieur à ours? Oh, je suis pas sûr que la méta soit d'accord avec ce que tu viens de dire. Let's go. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Babysitting à outrance du Ursa King, tout ça pour qu'il soit jamais lancé. Son Air Foudre a rien fait. Bon après, Mur Lumière, on peut pas lui reprocher de pas savoir. C'est certain. Oh, vas-y, mon ratio là! Oh, oh non! J'ai pas fait 2 pour 1 aujourd'hui là? Une idée de tier list des animaux dans Poké. Quel animal est le plus fort dans Poké? Bah, les ours, les singes, les chats. Les tortues en vrai. Les tortues. Terrapagos, on sait pas encore. Les dragons, ils sont pas mal. Les souris, bof. Les souris pour l'instant, bof. En vrai, c'est pas con. C'est pas mal, c'est pas mal. Rank 10, l'oppo, c'est avant Master Ball. C'est marqué quoi? C'est à 49-25. C'est vrai? J'ai vraiment fait 1-3 là? Je veux mourir. Non mais, c'est une blague. Terra O parce que elle est en face la réponse. Bon, c'est pas un Terra. C'est pas un Urshifu. C'est pas un Shifu O, pardon, en face. C'est un Shifu Stanel là-dedans, mais peu importe. Chifourse est la réponse. Attends, il joue Shadow Sneak, Terra Ghost, Weakness Policier, oui. Ou si c'est ça. Quel enfer, hein. Ah, comme tout à l'heure, hein, j'hésite un peu entre RM et Flutter, mais je trouve que RM sous Tricron fait plus de choses. Hein. Bah, Chirisu, c'est un écureuil, c'est pas une souris. Ou alors, faut mettre les rongeurs ensemble. Ouais, vas-y, on met les rongeurs ensemble. Ok. Il était rang 10 ou 10e? Je sais pas, hein. J'ai pas fait attention.
Il y avait écrit exactement rank 10. Ok, ça veut dire qu'il est pas encore Master Ball. Mais pourquoi moi je proc lui en fait du coup? C'est ça que je me demande. What the fuck? Pourquoi faire? Oh, c'est quoi cette merde? Oh là 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 là. Entei, Terra Fire, d'accord. Et dire il va être déçu, hein. Il peut très bien burn sur Sacred Fire. Donc. Non, il va être déçu de ouf. Hein. Il fait pas coup de main Terra Fire pour tuer mon Wim. Hein. Ah putain, éruption! Ah mais c'est ça! Ah mais c'est ça le prank! Ah c'est ça! Ah d'accord, Christophe de Chavannes dans mon placard, let's go! Ah trop marrant! Ah c'est un Entei spécial parce que. D'accord, ah oui, c'est pour ça du coup, ok. Putain, mais c'est quoi cette merde? Attendez. Attendez, parce que je sais pas s'il est scarf ou pas. Hein. S'il est scarf, il tue mon Annihilate avant que je puisse taper. Vas-y, quitte à jouer ça, c'est que t'es scarf, non? Parce que sinon, c'est flopesque, tu crois pas? Pour me faire ça... C'est... Attends, Specs, il m'aurait fait plus? J'ai pas posé la screen. En tout cas, je suis content d'avoir fait charme sur ce Entei spécial. J'ai vraiment pas bien joué, là. Hein. Ah, mais j'ai pris bien plus que midlife, même. C'est bien le problème. Même avec ma citrus, ça, je survis pas, après. Et il y avait Gardami, hein. Là, je prends plus, maintenant. Il est scarf, effectivement. J'ai bien fait de faire protect. Ok. Mais ça fait trop mal. Pas beaucoup d'écart de puissance entre knock-off qui enlève un objet et stomping super efficace. Hein. Et il y avait une citrus, donc je suis bien content d'avoir fait ça. Non, c'est une blague. Frérot, t'es à moins 2. C'est quoi cette merde? Quoi cette merde? Ah non, il n'y a pas Gardami, pardon, c'était pas familial, c'était... Farfadu, oui, je dis n'importe quoi. Vous savez très bien de quoi j'ai eu peur. Vous savez très très bien. Mais il a flair vite, c'est quoi ces conneries? Oh là 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 là. Ah, c'est bien, suffit d'un. Parfait. Hop, une cible en moins. Ah, je pense qu'il a aucun invest en attaque, en attaque physique. Je suppose. Me dites pas qu'on rate le chaos sur le charter alors que j'ai pris la peine de faire beat up. Hein. Ça couvre aussi le switch-in de Mimiki, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça à coup de main. Oui, non, bien sûr que t'as une match à putain, c'est celui-là. Mais là, le jeu ne me récompensera pas d'avoir couvert le switch-in de Mimiki. Hein. Le jeu va rien te donner pour avoir fait ce bon play. Il donnera rien pour ça. Hein. Non.
La girafe, c'est... ça peut un peu taper. Attends, avec Frenguard, non, ça va, tranquille. Frenguard et le boost, aucun souci. Donc tu meurs et ton Farid Girafe, il est tout seul. Ça va. Let's go. Qu'est-ce qui brute ? Non, on a vu une life orb. Je crois. Et avec son prank, il n'aura pas gagné. Tout ça pour ne pas gagner, hein. Vraiment. Hein. Imagine, t'es en mode surprise motherfucker, mais tu gagnes pas le 1v1. Enfin, c'est... Pardon, mais c'est d'un cringe. Il y a déjà Terra, on peut faire HH. Main punch. Hâte de découvrir la poudre claire sur ce Furry Girafe. C'est bon, pas de poudre claire. Let's go, je suis rassuré. Ok, on fait midlife avec coup de main. Protection Mimiki, ça doit être fort. Ok, ça c'était ma crainte. Mais en vrai, pas de soucis parce qu'on peut faire Follow Me. Attends, c'est déjà terminé. Attends. Et on fait Follow Me maintenant. Et Bull Cup. On a plus de dégâts après. Mais on ne compense pas. On n'a pas en plus avec coup de main. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc faut pas mourir, ou alors faut tenir Psychic Noise après, plus se protéger. Non, fallait juste ne pas se faire crit. Enfin, fallait pas se faire crit deux fois. Là. Et encore, là, son crit de Psychic Noise, je crois qu'il ne tuait même pas Famignol. Ah, c'est bon, on est déjà plus bloqué. L'avantage, c'est que ça dure pas longtemps, ce truc. Hein. C'est déjà ça. Nice. Oui, protection Mimiki, oui, c'est fort. Le truc, c'est que Mimiki, c'est un poké qui a plein de moves utilitaires qui sont intéressants. Donc ça veut dire que tu te prives de quelque chose quand tu joues ça. Ça veut pas... Enfin, je dis pas que ça a jamais été fort avec Abri. D'ailleurs, premier major en 9G. Mince, comment il s'appelle? Le joueur sud-coréen. Il a remporté San Diego avec Mimiki qui avait Abri. C'était Garganacle, Miascarade, Tauros. C'était lequel Tauros? C'était le feu. Tauros feu, je crois. Attends. Miascarade, Mimiki, Garganacle, Tauros Feu. J'ai oublié les deux autres. Oui, Psychic m'empêche d'utiliser Vampipoint. G-Sockly, merci. Merci. Ça me semblait bien, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Ouais, ça m'empêche de cliquer le move. Et si je l'ai déjà cliqué et que je m'apprête à le faire, ça m'empêche de le lancer aussi. Donc Psychic Knight fait vraiment chier pour ça. Oh bah ça c'est censé être du menu fretin. Alors attention parce qu'il faut quand même tuer le Ogre Pun dans un premier temps. Ah oh, mais attends, c'est un Annihilate Suicide ça, non? Ce serait pas un Annihilate Suicide. Après il me demande. Enfin je nécessite pas de Terra mon Annihilate dans ce matchup. Hein. Même des inconvénients à la limite. Un dernier. Là, il est pas mal contre plusieurs trucs, mais contre Ursa King, il pue, c'est mort. Alors que Whimsicott contre Ursa King est grotesque. Terrifiant. Hein. Oh, vraiment? Bah, pour de vrai, hein. Oui, pour de vrai, Annihilate gagne tout seul, là, en théorie. Avec les screens, il est pas suicide. Oui, c'est vrai qu'il a... Oui, j'avoue, il a Trousselin, j'avoue. Oui, t'as raison. Vu qu'il y a Trousselin... Ouais, facile. Ah oui, il y avait Bax dans son équipe, c'est vrai. Bax et Garganacle. Tauros Paldea sont les trois. Et Miascarade ont gagné le premier major en 9G. Ça a mal vieilli, hein. Bon, pas que Bax soit vraiment nul maintenant. Hein. T'as quand même mal vie. Est-ce qu'on va terra autre chose que RM dans le matchup? Je crois pas. Hein. J'ai même pas fait exprès, j'ai mis RM à gauche.
C'est juste parce que j'ai l'habitude d'avoir Annihilate pas droite. Et on va totalement Terra RM dans le matchup là, c'est même pas une question en fait. Après, je vais être très content de le voir faire T-Wave, ça va être vraiment cool. Ton Ogre Pawn. De contente de protection. Je suis pas sûr moi hein, que ça suffise. Hein. Ça suffit, ok. 3 pixels. Ok. Et maintenant il peut faire T-Wave sur mon RM. Si j'avais pas Terra, ça aurait été mieux du coup. Bonne mécanique la Terra selon toi. En open team list, c'est bien, pas de soucis. Il n'y a pas trop de bullshit autour de ça, donc je dirais que c'est une bonne mécanique. Ouais. Et je vais faire tirer bullcup. Je couvrais pas T-Wave plus Ivy Cudgel sur mon RM avec mon play. Mais alors, est-ce qu'il me tue avec ça? J'avoue que je sais pas trop. Attends, mais du coup, il tape avec son. Non, il fait très con. Attendez, j'ai... Non, attends. Non, il a pas très con ce truc, qu'est-ce que je raconte? C'est un pont. Non, il a pas très con, qu'est-ce que j'ai raconté n'importe quoi là, pardon. Oubliez ce que je viens de dire, hein. C'est hyper grave. Hein. Rousselin, c'est un support, il pose les murs, il a cagé clair, et il a farceur pour faire ça. Nice, c'est bon ça, let's go. Oh, il a doublé, oh le gourmand. Ça se comprend. Ça se comprend parce qu'il a peur pour son Cressidia qui attend derrière. Un call en mode, ouais, je sais trop bien, t'as pris ton Cressidia. Il y a beaucoup mieux que Trousselin farceur. Il fait bien son travail. Hein. Il est pas trop considéré, mais c'est clairement un bon poké. Hein. Son typing est très 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 bon. Hein. Non, non, faut le respecter ce poké. Hein. D'accord. T'as dit que c'était un moment de faire. D'accord, ok. Quelle belle économie de la Terra. Ça va être sympa autour d'après quand il va prendre Rage Fist à plus 12. Les stats sont pas folles. Bah oui, mais pour le travail qu'on lui demande, c'est pas grave. Drain Punch à gauche, on met tout à range. On force la Terra sur le Cress. Son ping m'apportait pas grand chose. C'est bien Terra Fairy, donc. S'il me sortait une Terra Dark en mode. Oh non, j'ai peur de farceur. Alors, on aurait pu faire Drain Punch, mais vas-y, tu peux pas call que c'est Terra Dark. Hein. Et c'est une Citrus. Oh, c'est bien enlevé ça. Mais vu qu'il vient de faire à la Switch, du coup, ben là, ton switch tranquille. Le jour où Tinkaton sera viable. Enfin, on n'y est pas encore. Hein. Je pense que vous êtes au courant. Hein. On n'est pas encore venu.
Ok, ça veut dire que je pouvais faire Rage Fist directement. Nice. Bien, c'est pas fait par Axe ce tour-ci, c'est important. Let's go. 3 stacks et on est à plus 3. Ah pardon, excusez-moi. 4 stacks. Oh putain! Ah oui, bah oui, quand même, parce que avec Frame Guard, 13, ça tape 0. Non, ok, 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 je comprends mieux. Bon, c'est pas le crit le plus chiant possible et imaginable. Hein. On a la Citrus, on récupère même encore un petit peu sur Drain Punch. Ah, va, ah, va. Oh, vraiment? Sur Sacking of derrière? Bon, je pense pas. Hein. Ok, pas protect. La parade n'empêche pas les coups de bitage, je comprends plus rien. Moi non plus! Moi non plus, je comprends pas! Sincérité, moi non plus. Oh, c'est vrai que s'il joue sur Light Switch, il peut se permettre de pas faire Protect, là, du coup. Bon, j'étais certain qu'il allait faire à Light Switch, mais je couvre les possibilités, encore une fois. Les choses bien. Ou bien ici, donc. Faut qu'on fait ça. Attends, il m'a fait ça sur Crit, les Frameguard. De tour. Hein. On est là sur façade plus Moonblast là. On meurt non? Bon, Prifique, ouais, il est pas malin. Hein. Donc, tant qu'on se fait pas crit, on est bon. Et bon. Let's go. Est-ce que c'est bon de tuer des Crest Terra Fairy avec Rage Fist? Dites-vous que j'ai déjà tué en un coup, en tournoi. C'est d'ailleurs le dernier tournoi que j'ai joué, parce que j'ai fait un petit PC à Lille après le Régio. J'étais, je crois, à plus 2, je sais plus exactement, et je devais être full stack de Rage Fist, un truc comme ça. Et j'ai tué en un coup un Crestelia Terra Fairy derrière Voile Aurore. Façade touche pas à Nilep, tu pouvais pas mourir. Non, je parlais de façade sur Mousehold. Donc, il n'y avait plus la redirection, il n'y avait plus garde ami. Et dans ce cas-là, le Moonblast me faisait assez peur. Parce que j'ai vu les dégâts que j'ai pris sur un crit. J'étais moyennement serein après sur un Moonblast sans garde ami. Pickpocket de Forgenia, c'est pas mal en vrai. Non, c'est totalement faux. Source? Les cheveux de Zizou. Non, c'est totalement faux. Hein. Non, c'est de la merde. C'est purement de la merde. C'est le pire de ses talents. Littéralement le pire des trois. Tu peux pas penser que tu... Si tu dis ça, tu peux pas croire que tu sais. Bizarre de dire ça. Bizarre. Oui, tu peux faire HH sur Gromago, certes. En fait, t'as pas envie de jouer les deux, en fait. De toute manière, t'as pas envie de jouer les deux. Pickpocket, quand ton poké a pas d'item, et que tu touches un poké... Je crois que c'est au contact uniquement. Je sais plus si c'est au contact ou si c'est sur n'importe quel move. Je sais plus honnêtement. Tu voles l'objet de la cible. Ou alors c'est quand il y a un contact dans les deux sens. En vrai, je sais plus. Je sais pas, le talent est jamais joué. Donc, j'avoue que. C'est une bêtise. Je sais plus. Il y a beaucoup de monde. Hein, enfin, comment dire. Je crois que c'est 13 stacks là, ce mois-ci.
crois que c'est 13 stacks en ce moment là, entre 50 et 300. Hein. Je crois. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'énormément de points pour aller haut. Genre, dans peu de points, il y a beaucoup de place, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah, Eric. Eric était premier du ladder, hein, je crois. Hein. Entier, mais t'as 1818, d'accord. Là, 166, on est même pas à 1800. La vache, on est pas à 1800, là. Oh, putain. Alors, c'est bien, sauf qu'il n'y a pas de speed control. Donc, tu dois avoir booster énergie en vitesse sur ton flutter. Sinon, tu peux pas jouer... au jeu. Le problème, c'est que il a à la fois de la pression sur le spécial, du placement, de la redirection et Gus. Il a tout pour me faire chier, lui. C'est vraiment le 6 qui me... Bah, j'allais dire le 6 qui me fait plus chier. Non, parce qu'une 6 ne peut pas venir. Mais son 6 est insupportable pour ma team. Oh la vache, c'est un cauchemar pour ma team, son 6. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, mais franchement, je ne donne pas cher de ma peau dans ce match-up. Hein. Je vais prendre ni Mausol ni Annihilé. Je me vois pas comment je gagne ça. Hein. Trop dur. Golden Go, d'accord. Je vais devoir faire des trucs hyper prévisibles pour mon oppo. Je pense que ça va être très facile de jouer. Enfin, je pense que là, la game est très facile pour mon oppo, franchement. Il a deux redirecteurs, je peux pas croire qu'il est pas nasty plot. S'il expecte, du coup, ça va être un naufrage. Mais pour moi, il a assez de redirection pour ne pas avoir besoin de Terra sans Golden Go. Donc je peux pas gagner cette game. Je peux juste pas la gagner. Je ne peux pas gagner. C'est pas possible. Antoine, tu fais quoi quand tu n'as pas du tout le match-up? Je gagne quand même. Je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que je pourrais te dire... T'as pas du tout le match. Genre là, je suis en tournoi. Après, j'ai pas les infos sur tous les pokés de sa team hein, aussi. Hein. Parce que là, je pars du principe qu'il est à la fois specs et qu'il a Nasty Plot. Hein. Bah, évidemment qu'il terrasse son Gus. Ou alors, il terrasse son Golden Go pour faire sport. Mais non, c'est un play de merde. Évidemment qu'il terrasse son Gus, il a raison. Là, je pouvais rien. Là, je ne peux rien. Oh, le play de merde. C'est-à-dire que si j'ai taunt, tu perds automatiquement, mon ref. Hein. On a conscience de ça. Hein. Témoigne l'histoire de Rinyasen, Liverpool 2022. Bien renseigné, toi. On sait des choses. En vrai, j'avais le match-up. Hein. C'est juste que je le savais pas. Ah ouais, Nokoff était sympa, certes. Mais il meurt de acrobatique. Ah, il peut se barrer, là. Non, parce que si je m'installe à réveil, c'est un drame pour lui. Ah, après knock-off, sur deux Moonblast, on aurait pu tuer. Peut-être. Si on s'installe à réveil, en vrai, c'est ok. Hein. Ok, il veut casser ce qu'il pense être une sache, mais c'en est pas une. Alors on perd Wim, et c'est vrai que si on perd Wim, bah juste on n'aura pas fait Light Screen, donc c'est pas acceptable. On n'aura pas fait Tailwind, pardon, donc il faut le faire. Oui, c'est Music In Game, effectivement. Et il fait Rage Powder. Oh, il ne mise pas sur l'instant réveil. Adversaire, très fort et respectable sur le terrain. Il a mérité parce qu'il a pas misé là-dessus. Si, il a misé là-dessus parce qu'il fait Nasty Plot, ce chien. Dégoûte.
Ça dégoûte je faisais Moonblast, il avait perdu la game Non, frérot. Non, bah non. Ça servait à quoi de faire Pollen Puff au tour d'avant, du coup? Rythme est sauvé. Et je prends Max Sommeil. Oh, putain, baf. Bah, mais le problème, c'est que... vitesse extrême sur... Ah, vitesse extrême sur Gus, en vrai. En vrai, de vrai. Vitesse extrême sur Gus. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. On envoie Flutter, là. On envoie Flutter. Oh là là, comment j'hésite trop. Oh là là, je sais pas. On va Flutter. Bon, là, maintenant, je suis sûr de me réveiller. Urge ne peut pas rentrer. Oui, voilà. C'est l'info. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Pour moi, jamais de la vie, il retire Gus sans protéger Golden Go. Donc, je pense qu'on fait Dazzling Gleam et Knock Off, on le fait à droite. Non, parce que s'il envoie quelque chose pour faire Protect, c'est qu'il envoie Ogre Punch. Je devais faire Acrobatie à droite. Ça a tué tout le monde. J'ai mal joué là. Non, parce qu'en vrai... Non, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Parce que s'il laisse Gus, alors... Knock Off part sur Golden Go. Et il protège Golden Go, d'accord. Et là, il a juste à envoyer Flutter ou Chifourse et je ne peux pas gagner la partie de jeu. Ne devais-je pas faire Ballombre ? Pour couvrir Flutter qui rentre. Ça couvre pas Chifourse qui rentre. Je l'ai dit. Et j'ai plus de mur lumière. Donc la Shadow Ball du Flutter me tue maintenant. Non, il envoie Chifourse. Okay. Chifourse Dark ? D'accord. Ok. Max Sommeil a fait très mal. Je sais pas. Hein. La game se serait passée différemment. Je peux pas dire que j'aurais gagné si j'avais pas pris Max Sommeil. Mais j'aurais voulu voir comment ça se serait passé si je mettais Insta Réveil. Tu vois, si j'avais vraiment eu la chance de mon côté. Ok. Sucker Punch, c'est mal joué. Donc peut-être qu'il y a un petit espoir, mais j'ai très peu de ressources. Il est sage en plus, le Chifourse, donc il faut en mettre un coup. Bon, Make It Rain sur mon Entei, c'est ok. On peut faire Extreme Speed. Ah ouais? Tu tues Flutter tous les jours, hein, dans tous les cas. Je pense que ça lui fait pas de mal de gratter mon Entei. Bon. Bon. J'ai plus de booster énergie en attaque. Mais de là à pas tuer Golden Go. Non, quand même, quand même. Quand même. Comme même. Bon, je vous rappelle qu'il reste un dernier Pokémon à l'opposant. C'est problématique. Non, 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 non. Malheureusement, ça va être Ogre Pond derrière. Hein. Est-ce que c'est grave? Non? Attends, c'est pas un problème. Attendez. En vrai de vrai. Et là qu'il est fait Shadow. Attends, qu'il est fait Shadow Ball plutôt que Make It Rain. Bah, c'est vrai qu'Entei il a pas pris de dégâts. Certes, il a pas pris un drop, mais. On n'a pas pris de dégâts. On n'a pas encore pris de dégâts sur Entei, donc en vrai de vrai. Flutter. Tu vas gagner? Gagner. Ah oh bah en plus il a pas de dégâts. Il joue bien, ouais, il fait le taf. Il fait le taf. Il n'a pas fait de grosses erreurs.
Ah bah c'est vrai que mon Golden Go dépasse mon Entei maintenant et c'est un vrai problème. Adobo, hein. Adobo la plus 1000 avec ma veste. Pfff, faut tuer en un coup. Pas le choix. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, j'ai pas la burn, mais elle sert à rien. Et Sacred Fire sur Flutter, on tue jamais. Je peux pas gagner. En vrai, attendez, j'ai pris Max Sommeil et ça se joue à un coup près. Parce qu'au final, virtuellement, ça se joue à un coup près. On n'a pas l'air vu les ressources restantes. Hein. Et en gros, si Golden Go est mort, Entei bat le Flutter. En vrai, vu le match-up, alors que j'ai pris Max Sommeil, ça se passe comme ça? Alors qu'il a joué propre en phase en plus? En vrai, c'est pas totalement injouable du coup. Bon, il a fait une grosse erreur. C'est quand... c'est le tour où j'ai fait Tailwind, si j'avais fait Moonblast, sa game était un naufrage. Vu qu'il avait pas Ogre Pun derrière, du coup, ça confirme que ce play-là était pas bon. Ouais, j'aurais bien voulu visiter le multivers pour voir comment ça se serait passé en prenant pas Max Sommeil. Parce que bon, déjà qu'il a un avantage énorme au match-up, si en plus je me prends Max Sommeil, frérot... pas très sympa, hein. Ça serait cool. Bon. Je laisse ça pour aujourd'hui. Je vous revois. Demain je suis pas sûr parce que je vois du monde. Demain je suis pas sûr. Je joue pas le tournoi VR et je vois du monde demain. Donc il y a un monde où je suis pas là en stream demain. Je sais pas trop. En tout cas, je vous laisse là pour ce soir. La vidéo du jour c'est quoi? C'est quoi la vidéo du jour? Même moi je sais pas. Quoi? C'est Oregon 2. Oregon 2 avec Rina Stock. Regardez-moi jouer une évolution 4G, m'arrive jamais. Allez checker ça, la vidéo du jour, petit pouce bleu, petit commentaire, petit watch time, évidemment, je compte sur vous, bien sûr. 49 minutes de vidéo, non mais attendez, mais quelle régalade. Vous trouvez ce live trop court? Bah, c'est pas grave, vous avez 49 minutes de vidéo. Allez checker ça, je vous revois peut-être demain, je suis pas trop sûr, ou peut-être lundi. Bye bye.